Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog concours, puisque ce week-end, donc samedi et dimanche, je vais à la TDA du lieu. Donc même ce vendredi en fin d'après-midi, et je vais faire ma voiture, je vais aller vide. Je vais amener Casey et Kemal. Bon, Casey, c'est pas moi qui vais la monter, c'est ma soeur, mais bon, je vais quand même prendre ses affaires. Donc bah, écoutez, c'est parti. Un petit peu vous raconter ma vie, vu que c'est un petit peu le but d'un vlog. Là on voit ce qui se passe, j'aurais dû normalement hacker le vent avec ma voiture, ça aurait été fait. Après Casey, j'aurais fait monter 2-3 fois dans le vent, histoire qu'elle soit un peu rodée, parce que ce moment elle est un petit peu relou. Le problème c'est que ma grande soeur est partie, on a une voiture qui est chez le garage, enfin, bref, du coup on n'a plus les voitures, on n'a plus qu'une seule. Et donc je ne peux pas atteler parce qu'il faut que j'aille chercher ma soeur à Lyon, parce qu'elle fait ses études, enfin un stage à Paris. Du coup elle va prendre un train Paris-Lyon, du coup je vais la récupérer à Lyon, et vu qu'on n'a plus une seule voiture, bah, je vais pas me trimballer à Lyon avec le vent, du coup je ne peux pas atteler tout de suite, et donc je pense qu'on va atteler demain matin parce qu'on va rentrer tard, parce que il faut la récupérer à 23h, donc tant qu'on rentre, je pense qu'il sera bien minuit et demi, 1h du mat, donc clairement je pense pas qu'on va atteler à cette heure là, donc je pense que demain on va devoir atteler le vent. Petit point du jour, nous sommes à la bourre bien évidemment. Il est 6h30, on est censé partir à 7h et les poneys ne sont toujours pas attrapés, donc là je vais les chercher au pré. Le vent n'est toujours pas attelé, il faut qu'il mange et il faut qu'ici veuille bien rentrer dans le vent, donc je pense qu'on va partir avec un petit peu de retard. Bon, les petits poneys mangent et du coup nous on va atteler en même temps, donc c'est parti. J'ai un petit peu notre efficacité. Tourne. Top. Non. L'autre côté. Mes champounets. Vous racontez ce qui s'est passé. Oiseau là, attends. Donc ici elle s'est enfuie une première fois, comme je vous ai montré sur les images, avec sa ficelle bleue, elle est partie au galop manger bien. Soit nous va chercher, et là Kemal il s'est mis un peu à paniquer. Il n'y a plus qu'ici, donc bon, je lui ai dit bon, il va se calmer. Donc 2 minutes après je me retourne et effectivement il m'a brouté l'herbe à côté, il s'était calmé. Donc très bien. Et donc quand on est revenu, on voit Kemal qui s'est coincé sur l'intérieur gauche, au-dessus de sa longue, vous avez fait. Donc je dis maman, je accélère un peu le pas pour aller le décrocher. Et je pensais qu'elle restait tranquillement à m'attendre avec sa patte en l'air. Pas du tout, que nenni. Il m'a fait un saut de cabri. Je sais pas ce qu'il m'a fait pour se dépatouiller. Sauf que bah, du coup, ça a mort stressé. Il s'est gratiné tout le nez, tout l'œil. Il tremblait comme une feuille. Bref, la cata. Donc bon, j'espère que ça va aller un peu mieux là. Mais bon, il mangeait et tout. Il n'avait pas l'air non plus affolé de ouf. Mais il tremblait à mort du cul, donc bon, j'espère qu'en tout cas il s'est pas fait mal. Mais voilà, on verra ce que ça donnera à arriver une fois sur le coup. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Nous avons une heure d'avance. Voilà, bah voilà, y a rien à dire, on va attendre. On a commencé à compter Kemal. Bon, du coup, il va beaucoup mieux. Clairement, on a plus beaucoup de tremblements. Là, il dort même. Donc, je suis rassurée, c'est cool. Donc, bah, donc là, on va à la reco. Et ma soeur répare le porte-clés que j'ai cassé. Donc, voilà. Un truc, c'est bon, j'ai le temps. J'ai la reco. Après, j'ai 1 heure. Donc, là, on a commencé à compter, mais à peine, comme dégueulasse. Enfin,
Pas de près, en fait, là, on est du coup devant les horaires. On avait fait, en fait, j'ai que 40 minutes. J'ai une heure, mais j'avais pas compté l'arco, parce que ça dure une demi-heure l'arco. Du coup, en fait, j'ai qu'une demi-heure. Bah, mon passage et mon point n'est pas juste prêt. Du coup, nous sommes déjà à la bourre. Voilà. Et nous avons commencé en retard. Il y a déjà plein de monde. Ça va, nous allons trouver loin. Allez, c'est parti pour le retour. Allez. Bon, le parcours, il y a pas mal d'options, mais c'est pratiquement que des lignes. Bon, bah, pas ouf, en plus contre chevaux. Donc voilà, bon, je sais pas combien de fois je vais mettre. On verra sur le temps. Donc voilà. Petite malade, j'ai amené Kemal donc à la douche, donc j'ai dessiné tout ça, j'ai amené à la douche. Elle était pas contente, donc elle a gueulé partout. Elle a renversé le seau et dans le seau il y avait du foin. Donc la voiture est pleine de foin parce qu'elle a giclé. Du coup, elle a cassé sa ficelle et elle est partie au galop nous rejoindre. Donc on l'a engueulé et on l'a rattaché court. Et voilà, mon voiture n'a pas bougé vu qu'il y a Kemal, mais elle roule. Je profite d'un grand temps de pause entre mon épreuve et de ma soeur pour un peu raconter mon tour. Du coup, déjà à la détente, Kemal était plutôt bien, bon, un peu froid à la jambe, mais plutôt bien. Après au galop, bon, il galopait bien, mais c'était pas non plus oufissime. Donc mon chemin s'est sauté, donc à ma gauche verticale, super bien. Et à ma droite, je sais pas ce que j'ai à ma droite, j'arrive pas. C'est l'auxerre et aucun auxerre n'est bienvenu. Je sais pas pourquoi c'est dommage, j'ai vraiment du mal. Donc bon, pas ouf, super sur mon tour. Donc je fais 1, 2, c'est une ligne plutôt bien. 3, je prends une option qui passe super bien. 4, nickel. 5, Kemal il rate fort, elle avait un peu peur. Je fais un gros saut. Et en fait, c'est sur le 6 où j'ai fait la barre parce qu'en fait, je pensais faire mon contrat normal. Tu m'as vu qu'elle était rentrée avec un petit galop et sur la retenue. Tu as dû relancer pour soit qu'il me sorte le contrat de foulée normal ou soit reprendre pour faire une foulée. Vu que j'ai rien fait, du coup, on a fait barre. Et là, mon pied s'est coincé dans mon étrier. Parce que vu que j'ai des éperons, c'est super large. Du coup, mon éperon est passé et je peux plus en fait enlever mon pied dans mon étrier. Donc déjà d'une, c'est super dangereux. Et de deux, c'est super désagréable. Donc j'avais un pied coincé dans mon étrier et l'autre pied, j'avais pas de mon étrier. Donc la cata. Donc bref, je continue. Donc je prends l'option qui passe super bien. Ensuite, je prends un petit vertical. Là, pareil, donc je fais 4 points. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Tu touches à deux postérieurs, donc je sais pas trop pourquoi. Je mets mon tour super bien, donc il y avait le double qui est super bien passé. Et la dernière ligne, pareil, qui est même super bien faite. Donc bon voilà, du coup c'est pour vous raconter ça. Donc je suis plutôt contente de mon tour. Kemal il manquait un peu. Il m'a dit que pas le galop, il galopait bien. Il était en plan, quand du galop bien soutenu. Après vu que j'ai pas mal tourné, j'avais un très bon chrono. Il m'a un peu deck de mes 8 points. Ma soeur qui fait sa crinière. Bah, c'est parti pour la reco du coup de ma soeur. Donc elle fait la E1 et la prépa à mettre. Donc c'est parti. On y va. On y va. Ah,
fait alors, que d'être filmé. C'est tout. Bon, ça va. Il tourne vachement. Enfin, il tourne. Je l'en vais. Putain. Il est marre, toi. Morine vient de passer, donc elle a fait sa prépa et sa E1, et du coup on attend la remise des prix vu qu'elle est première de la main. Voilà. Allez, c'est relou. Allez, le pouvoir de la bouffe. C'est bon, je ferme ou pas? Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième jour. Je sais pas si je vais faire ce vlog en une fois, deux fois, bref. Nous sommes le deuxième jour de la TDA du NIEU. Je suis totalement désolée de, par rapport à hier. J'ai pas fait un peu de clap de fin parce qu'on a des invités, du coup c'était un peu le rush. Donc j'ai pas pris le temps de vlogger. Mais bon, tout s'est bien passé. Le retour du. Enfin, le voyage du retour s'est bien passé. On a fait les soins au poney avec leur ami de la régie. Après, ils sont partis au pré. En vrai, c'est rien passé non plus de foufou. Donc voilà. Du coup, là, nous sommes sur la route. Nous sommes arrivés. On est donc passé à la douche pour enlever l'argile des poneys. Parce que bon, ce matin, on avait un peu enlevé à la brosse, mais c'était pas ouf. Du coup, on est passé à la douche. On a un petit peu d'avance. Et là, on attend pour la reco qui n'est pas encore ouverte. Yeah. Let's go. Alors, moi j'ai sauté 9, donc on va dire 8. Ouais, pareil, 28, je crois que j'en ai une. Oui, très bien. Cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. I'm never gonna rest. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blower. The type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on... Nous sommes sur la route du retour. C'est plutôt cool parce qu'il n'est pas trop tard, donc bah c'est cool, pour une fois on va pas rentrer super tard à la maison. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait 4 points sur mon tour, sur numéro 3. Bon, je suis un petit peu bien sûr déçue parce que bah voilà, toujours 4 points ça saoule. Mais bon, sinon Kamal était super bien, elle m'a fait une super détente. Et après sur le tour, bon voilà, on fait 4 points, j'ai pas réussi à le reprendre, j'ai mal vu ma foulée, enfin bref, c'est entièrement de ma faute. Mais sinon, sur toute la partie chrono, donc après le 6, il a super bien sauté, j'ai pris toutes les options que je voulais, il a super bien réagi, donc je suis super contente. J'espère que ce vlog t'a plu, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.
Yeah, let's go.